Bonjour, monsieur Yassine Benjabala, bonjour. Bonjour. Alors, attendu depuis longtemps et après un retard dans sa réalisation qui a duré près de 7 ans, elle devait être réceptionnée en 2009, la ligne ferroviaire Agétnia Tizi Ouzou, totalement électrifiée, sera réceptionnée et mise en service le 15 avril prochain. Les essais techniques sont en cours à partir d'aujourd'hui. Monsieur Benjabala, vous confirmez? Mais effectivement, donc les essais vont commencer aujourd'hui à Blanc, c'est-à-dire sans énergie électrique, avec le diesel uniquement pour vérifier un petit peu l'infrastructure. Et à partir de demain, inchallah, on va lancer le jus, et ça sera une ligne électrifiée pour le service commercial qui débutera à partir du 15 du mois courant. Est-ce que vous avez fait des évaluations sur l'importance de cette ligne par rapport au trafic? Oui, effectivement, la ligne de Tizi Ouzou, c'est un axe stratégique pour la SNCF parce qu'il y a des habitués du train, donc, et le train les a manqués de l'en-tête. Maintenant, il y a un retour, il y a un engouement, on le sent, et ça représente à peu près sur les 37 millions de voyageurs qu'on transporte annuellement au niveau de la banlieue algéroise, donc on compte comptabiliser à près de 6 à 8% de plus. Mais tout a été finalisé sur l'aspect concernant, bien sûr, commercial, prix, la fréquence du trafic par rapport à cette ligne? Oui, effectivement. Donc, on a dimensionné le service de telle sorte qu'on a tenu compte un petit peu des ouvriers qui partent de bonne heure. Donc, les trains matinaux, ils partent de Tizi Ouzou vers Alger de bonne heure pour qu'ils soient ici à partir de 7h, 7h30. Donc, tous les trains partent directement sur Alger sans escale. Maintenant, les trains de fin de journée également dans le sens inverse vers Tizi Ouzou sans arrêt, c'est-à-dire directement Alger vers Tizi Ouzou en passant par Tinia, bien sûr. Mais courant de la journée, on a laissé une navette qui fait des navettes avec des correspondances entre Alger au niveau de Tinia. Ça sera des navettes entre Tinia et Tizi Ouzou. En combien de temps pratiquement? Chaque longueur de journée, chaque une heure. On essaiera de chercher, on va adapter progressivement la demande par rapport à la demande, le service par rapport à la demande. Quand vous parlez de début de journée, fin de journée, c'est à partir de quelle heure exactement? Je présume que les trains matinaux, c'est vers les 6h du matin, donc 6h du matin, 6h30, je pense, une cadence d'une demi-heure entre les deux trains, ça ira et on verra. C'est-à-dire pour le moment, on a tracé des anciens sillons qui existaient chez nous, mais maintenant il faut l'adapter par rapport aux besoins. Donc on le mettra progressivement et on va ajuster le service par rapport à la demande. Fin de journée? Fin de journée, ça l'est. Donc on a tablé sur 17h et 18h. S'il y a un besoin vers le tard, on s'adaptera à la demande. Puisque les journées maintenant s'allongent, on va vers l'été. Pourquoi ne pas aller vers 21h, 22h, 21h, monsieur Benjabla? Oui, c'est inscrit pour les retardataires. Oui, c'est inscrit dans notre objectif, mais tout ça est conditionné par l'infrastructure en elle-même. Il ne faut pas oublier que l'infrastructure de la banlieue algéroise, elle est en chantier actuellement. Donc, nous avons lancé avec notre partenaire Siemens le lancement de la nouvelle signalisation. Donc, on est en train de travailler sur une ligne déjà en chantier. Donc, pour le moment, on ne peut pas aller au-delà des 18h parce qu'on travers la nuit. Le prix fixé? Le prix serait moins cher que les bus? Non, c'est l'ancien prix, on n'a pas touché, les 170 dinars. Donc, par rapport à ce retard qui ont accusé cette région, donc on préfère maintenir les mêmes tarifs et améliorer le service. Mais c'est une ligne totalement électrifiée, moderne également? Oui, monsieur, c'est une avec l'autorail également? Oui, bien sûr, c'est une ligne avec les automotrices, donc celles qui roulent actuellement au niveau de la banlieue algéroise, donc qui vont assurer la continuité jusqu'à Tizi Ouzou et au-delà de Tizi Ouzou très prochainement. Donc c'est des rames climatisées qui offrent le confort nécessaire et c'est un produit qui est aimé par les usagers actuellement. Et c'est une ligne électrifiée à 10 vitesses à 160 km/h. Or que maintenant, pour le moment, le 160, on ne peut pas rouler à 160 pour des contraintes de terrain parce qu'il y a toujours les passages à niveau qui sont en phase de les supprimer. Et voilà, donc on commence avec 120 en attendant d'améliorer la situation au niveau du terrain. Alors, Alger Tizi Ouzou en 30 minutes à l'avenir? Oh, 30 minutes, c'est pas demain la veille. Dans 30 minutes, on peut pas envisager 30 minutes. Mais déjà, aujourd'hui, on peut rentrer sur Alger à 1h40 par rapport à 120 km/h. Mais une fois qu'on passera à 160 km/h, là, on sera vers 1h Alger. Un peu moins d'une heure, c'est bon. Alors, bien sûr, il y aura aussi autre inauguration durant ce mois d'avril, le 8 avril prochain. Autre ligne, c'est Saïda Moulay Slissen, c'est-à-dire le nouveau train Oran Saïda. Oui, enfin. Oui, enfin, Oran Saïda, c'est une demande qui est confirmée par la région, au niveau de la région oranaise. Donc, c'est un train qui va être lancé. Donc, le 8, ça sera les essais techniques. Donc, la rame, elle est prête pour qu'on fasse les essais techniques. Et à partir de là, on va se prononcer avec nos amis de l'ANSRIF sur la date pour la livrer sur le plan commercial. Alors,
Bien sûr, autre ligne en perspective aussi, Monsieur Benjabella, pratiquement la ligne Béchar. Oui, la ligne de Béchar, justement. Donc, on a fait durant les vacances, donc on a lancé la caravane du Sud pour présenter un petit peu les nouvelles voitures, les anciennes voitures réhabilitées totalement et modernisées au grand public. Ça a fait le bonheur des gens de la région. Donc, ils ont apprécié le produit. Oui, bien sûr, totalement climatisé. Totalement climatisé avec un nouveau système de climatisation. Donc, en dehors du train de Béchar, toutes les rames, Inch'Allah, cette année, ça sera la dernière année où on va exploiter des voitures totalement modernisées en termes de climatisation. On n'aura plus de problèmes à ce niveau-là. Alhamdoulilah, on a trouvé les solutions et à partir du juillet, on va injecter de nouvelles voitures avec la climatisation totalement rénovée. Mais quand on parle de la ligne de Béchar, est-ce qu'on est en train de faire le lien directement avec le fret ferroviaire qui reste bien sûr en deçà de ses capacités? Il n'excède pas les 15% alors que les projections veulent le faire atteindre graduellement à 19-20% et pour aller vers 25% plus tard. Lorsque je parle de Béchar, je préfère parler des pénétrantes vers le sud. Donc nous avons Béchar et Tougourt. C'est deux axes que pour le moment nous sommes en train de travailler pour développer le trafic, que ce soit voyageurs ou marchandises. Si pour Béchar, aujourd'hui on a lancé le nouveau produit qui va entrer à partir de mois de mai, Inch'Allah, le premier train à titre d'essai, parce qu'on a prévu un train supplémentaire, c'est-à-dire les 5 voitures réhabilitées seront en plus de l'ancien train. Ils vont circuler entre Oran et Béchar 1/2 pour le moment, avec un service amélioré. Donc il y a le voyageur au niveau de Béchar. Concernant le Tougourt, on vient de signer une convention, on a commencé à travailler le transport du tube du port de Jinjin vers Tougourt et au-delà de Tougourt avec l'intermodalité. Nous avons notre filiale intermodale, donc la Steam, qui a signé le contrat avec Sonatrach et aujourd'hui nous sommes en train d'assurer des trains avec une moyenne d'une cinquantaine de wagons réhabilités au niveau de nos ateliers pour le transport et adapté pour le transport du tube. Alhamdoulilah, c'est un très grand contrat, donc il y a l'intermodalité là-dedans et nous sommes en train de chercher le fret vers le sud pour aller jusqu'à Hassim Saoud pour le projet de Naft. Quelles sont vos perspectives dans ce cadre-là? Augmenter un peu le fret? Oui. Ou le transport de marchandises ferroviaires? Oui, effectivement. Donc ça Parce que c'est le moyen le plus sûr, le plus rentable et le moins coûteux. Oui, le plus rentable sur le plan économique. Le fret, c'est lui qui nous ramène des ressources financières. Et donc le premier contrat qui a été signé en 2017. Donc, nous sommes en train de transporter maintenant du tube. Et on a adapté tout d'abord nos wagons qui n'étaient pas disponibles chez nous. Donc, nos ateliers nous ont donné un bon coup de main au niveau de l'adaptation des wagons pour ce transport. Alhamdoulilah, notre train sillonne la ligne de Tougourt avec du transport en train bloc. C'est des beaux trains à voir d'ailleurs. Avec les nouvelles locomotives qu'on a acquises les mois passés. Et il nous reste 10. On va les recevoir mois de mai. Donc, le mois courant. Il nous reste 10 à les réceptionner. Donc, le développement du fret a commencé à partir de 2017 et à partir de 2018, Inch'Allah, on atteindra la vitesse de croisière. Quels sont vos objectifs pour le fret? Nos objectifs pour atteindre 2023, 17%. Aujourd'hui, avec ce contrat qui a été signé avec Sonatrach, plus d'autres contrats que nous sommes en train de négocier avec des clients, il y a sur la table aujourd'hui près de 10 millions de tonnes qu'on peut transporter. Il reste maintenant de dimensionner notre parc wagon qui nous fait défaut aujourd'hui. Donc, il y a la phase d'assainissement. Nous sommes en train de découper des wagons et à réajuster un petit peu et adapter les wagons par rapport aux produits que nous comptons transporter dans le futur. Mais 17%, cela reste relativement faible pour un pays comme le nôtre. Est-ce que ceci est dû au manque de moyens ferroviaires par rapport au transport de marchandises ou parce que les opérateurs aussi, certains d'entre eux, ne sollicitent pas aujourd'hui la SNCF? Non, parce que le service aujourd'hui, le client ne demande pas le transport de gare en gare. Donc il faut s'inscrire dans une logique d'aller au-delà du transport. Des lignes directes. Des lignes directes. C'est-à-dire avec l'intermodalité qui vient de s'ajouter à cela. Et pour cela, donc, nous sommes en train d'encourager nos deux filiales, une filiale de logistique, Rail Logistique, et la filiale Steam, qui sont versées dans les aspects logistiques et la maintenance, plus l'intermodalité. Donc maintenant, nous sommes en train d'offrir une prestation de plus en plus complète, et là, nous sommes en train de constater qu'il y a un retour des clients, ils sont intéressés de nos services, ils sont satisfaits pour le moment. Mais avec les pénétrantes qui sont en voie d'être réalisées, est-ce qu'on est en train d'interconnecter aussi les ports avec le chemin de fer? Oui, nous avons des sociétés communes maintenant avec les ports. Donc nous avons la CIL, c'est une société portuaire, c'est le port d'Annaba, le port d'Eskigda, le port d'Jinjin, le port de Béjaïa, le port d'Alger. Donc avec eux, on a créé des JV entre les ports et la SNTF par rapport à nos gares qu'on les a transportés en base logistique. Alhamdoulilah, aujourd'hui, on commence à donner. Bon, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est les wagons un petit peu. Nous sommes en train, donc, en phase d'assainir le parc wagon et l'adapter au transport demandé par les ports. La vision change ?
elle était la même, donc on a décidé, ça fait 2 années de ça. Par rapport aux marchandises, hein. Oui, bien sûr, c'est une obligation. C'est une obligation. On nous a demandé de rehausser le ministère de la tutelle nous a demandé de rehausser le standard au standard international. On ne peut pas parler du standard si on n'améliore pas les moyens de production TNA, que ce soit voyageurs ou marchandises. Et nous sommes en train de s'inscrire dans cette politique. Alors, monsieur Yassine Medjabala, moi, je voudrais revenir encore sur le fret ou le transport de marchandises par voie ferrée. Aujourd'hui, vous transportez l'équivalent de 2% du total des marchandises, qui représente pratiquement 5 millions de tonnes. Votre objectif, c'est d'atteindre les 7%. 2%, c'est trop faible. Alors, l'entrée en fonction du complexe d'Al Hajjab, cela va augmenter encore vos capacités actuelles en termes de transport de marchandises, monsieur Benjabella? Oui, effectivement, on a dimensionné notre part en tenant compte un petit peu des prévisions de transport du minerai de fer. Donc, le minerai de fer, il y a le produit output et input. Donc, nous sommes présents, fortement présents sur cette ligne, sur cet axe stratégique, sur le plan économique. Donc, toutes les locomotives qu'on les a acquises, donc il y a une bonne partie qui a été réservée. Donc, aujourd'hui, la semaine passée, on est en train d'assurer régulièrement un troisième train. On a commencé par 2 trains à partir de 2017. Maintenant, nous sommes au 3e train et la demande peut aller jusqu'à 6 trains jour. Sur les 24 heures, on peut assurer jusqu'à 6 trains selon la demande de l'Hajjar. Et nous sommes disposés à assurer n'importe quel tonnage demandé sur cette ligne. Le transport de conteneurs, pour éviter de voir les conteneurs circuler sur nos routes, oui, et causer beaucoup d'accidents de la circulation. Effectivement, donc, tel que je l'ai dit, nous sommes en train de réajuster, d'adapter un petit peu les wagons, les adapter par rapport à la marchandise sur laquelle il y a la demande de transport, donc notamment le conteneur. Donc, nos ateliers sont en train de carburer pour adapter tous nos wagons pleins et les transformer en wagons porte-conteneurs. Pour bientôt ? Oui, c'est en cours maintenant. Les wagons, pour le tube, par exemple, on a rectifié les wagons, ils sont en train de transporter du tube. Pour le conteneur, ils sont en train de le faire. Et toutes les sociétés avec qui on a signé des JV, notamment les ports, Portuaires, Skigda, Annaba, Béjaïa. Béjaïa, d'ailleurs, nous sommes en train d'assurer un train. Peut-être que ce n'est pas à la cadence voulue et espérée, mais nous sommes en train d'envoyer des trains de blocs, de conteneurs du port de Béjaïa vers la zone de Tixter. Donc pratiquement en raison de deux trains semaine, c'est un peu faible, un petit peu comme cadence, mais ça ne dépend pas uniquement de nous. Mais on espère augmenter, nous sommes prêts à augmenter la cadence vers cet axe-là. Mais bien sûr, pour augmenter la cadence, il faut avoir les moyens. Les autorails 20 seront réceptionnés au mois de mai prochain, c'est-à-dire dans pratiquement un mois et demi, avec le partenaire américain General Electric. Ça va encore améliorer vos prestations davantage, monsieur Benjabella? Effectivement, là, il faut faire la différence entre tout ce qui est les locomotives pour le transport du fret. Donc, on va réceptionner les 10 dernières. Ça, c'est pour les personnes. Les 10 dernières locomotives, ils vont venir vers le 15 de ce mois, du mois courant. Pour le donc, fret. On va clôturer un petit peu le contrat des 30 locomotives acquises. Et on va les injecter rapidement dans le circuit. Donc, il y a la demande pour ces locomotives. Pour le transport de voyageurs, nous avons les autorails Alstom qui vont rentrer, le Corada qui va rentrer, Inch'Allah, la première rame va rentrer vers le janvier 2018. Et là, on a annoncé sur Michel le train de jour qui est vraiment attendu sur cette région. En plus du train de nuit réhabilité et modernisé, on va leur offrir un autre service qu'ils attendent avec impatience, à savoir le train du jour qui va partir il va y avoir 2 trains quotidiens, un au départ de Béchar, l'autre au départ de d'Oran. Ils se rencontrent au niveau des Michelia. Et au niveau des Michelia, nous avons réalisé un atelier de maintenance de ce type de matériel ultra moderne. Donc, ils vont se croiser au niveau des Michelia et rebrousser chemin vers Oran et Béchar. Quel est le coût de ces acquisitions avec General Motors? Bon, le coût des acquisitions 17, c'est à peu près 200 millions d'euros pour le contrat qui a été signé avec Alstom. Et pour les 10, pour le fret, monsieur, sur les 30? Bon, il y a le marché de 30, c'est 113 millions de dollars, donc les 30 locomotives. Donc il nous reste 10 à réceptionner vers le 15, Inch'Allah. Mais 30, c'est suffisant pour le fret, le transport de marchandises et les conteneurs? Oui, il y a les 30. Ou alors vous allez plus tard aller vers d'autres projections d'ici 2019-2025? Nous sommes en train de réhabiliter les anciennes machines, donc les 12. Donc il y en a 4 déjà mises en exploitation, totalement rénovées au niveau de nos ateliers de
Sedenbrock. Et c'est des jeux, c'est des locomotives générales électriques, américaines toujours. Nous sommes en train de les réhabiliter. Alhamdoulilah, aujourd'hui, nous avons 4 réhabilités totalement qui ont fait leurs preuves. On les a testés. Ça donne de très bons résultats. Et comme on dit, l'appétit vient en mangeant. On continue sur la même lancée pour faire les 12, encore 12 locomotives avec une cadence de 2 locomotives chaque mois. Alors pour les trains de banlieue totalement électrifiés, il y a eu la ligne Alger-Zer Al Dahl. Il y a aujourd'hui pratiquement entré en service à partir du 15 avril de Alger Tizi Ouzou. D'autres lignes de banlieue seront envisagées également dans d'autres localités, par exemple à travers le territoire national, où il n'y a qu'Alger qui est concerné dans un premier temps, monsieur Benjabella. Non, pour justement pour boucler la banlieue d'Alger, Pratna, la dernière hôtel, c'est vers l'aéroport de Houari Boumedine, Inch'Allah. Donc une fois interconnecté avec le métro. Donc il va y avoir le métro, le train vers l'aéroport, donc et on va terminer avec la banlieue algéroise. Mais en parallèle, on est tenu à développer au niveau des grandes métropoles, Oran, Constantine et Annaba, une autre banlieue, que soit électrifiée ou pas. Donc nous sommes en train de se préparer aujourd'hui dans le cadre du projet des 200 de voitures. Donc il y a une bonne partie de voitures anciennes qui sont réhabilitées pour les transformer en voitures banlieue modernes avec tout le design beaucoup plus jeune. Ça fait beaucoup plus jeune parce que la banlieue, on a constaté la clientèle des banlieues beaucoup plus, c'est les étudiants, c'est vers les universités. Donc on a tenu compte un petit peu de cet aspect et dans les 200 de voitures, il y a pratiquement une centaine de voitures qui sont destinées pour la banlieue et ce sera les voitures qui seront déployées au niveau de Constantine, Annaba et Oran. Mais est-ce que vous avez fait des études d'impact sur par rapport à ces projets en termes, c'est-à-dire de coûts, de rentabilité, de rapidité aussi économique et par rapport à la réduction un peu de la pression sur la route, monsieur Benjabala? Effectivement, les accidents qui vont avec. Et bien sûr, le chemin de fer. C'est le moyen le plus sûr. Oui, il est sûr, il est économique. Sauf quand il y a des incidents, malheureusement. Mais c'est rare. Donc, nous sommes bien placés à ce niveau-là. Donc, par rapport à ce qu'on voit dans d'autres modes, malheureusement. Mais le chemin de fer, il a ses atouts à faire valoir, notamment à l'échelle macro. Donc, si on ramène un voyageur de la route vers le train, c'est un grand immense pour sur les trésors publics. Et ce qui est relevé, c'est que vous transportez pratiquement annuellement l'équivalent de 37 millions d'Algériens. Oui, on a commencé par 20 millions, donc on a dépassé la barre des 35 l'année passée. Maintenant, nous sommes en train de frôler les 37 et la demande est liée. On peut atteindre jusqu'à 60 millions. D'ailleurs, nos objectifs horizon 2025, il faut qu'on transporte près de 60 millions de voyageurs. Notre seuil d'équilibre, si on arrive à transporter 17 millions de tonnes de fret avec les tarifs actuels et on atteindra les 60 millions, la SNCF pourra compter sur ses recettes. Alors, tous les pays développés ont axé leur développement sur le chemin de fer pour relier tout le territoire national de leur pays en termes de transport de personnes et de marchandises. Est-ce qu'aujourd'hui, on envisage aussi de mener le chemin de fer au-delà de Bacha jusqu'à l'extrême sud du pays? Là où il y a en de la voie. En dédoublement de la voie. Là voilà. Où il y a la voie ferrée, la SNCF pourra l'exploiter correctement. Donc, tout dépendra des lignes qu'on nous donne. On a l'obligation de s'adapter par rapport aux nouvelles lignes, que soit matériel roulant ou autre chose. Alors, des questions des auditeurs. Monsieur Benjabella, à quand un train rapide Alger-Constantine? Accélérer un peu la vitesse, donc, améliorer la vitesse. Je vous dis sincèrement, donc la priorité elle est donnée sur l'axe Alger-Oran. Donc Alger-Oran 2018, Inch'Allah. Donc les travaux d'un grand chantier qui est ouvert au niveau d'Alger-Oran. Donc les travaux vont commencer d'ailleurs au niveau de la banlieue et les usagers vont le sentir à partir du quelques jours après. Ils vont constater des chantiers en plein banlieue algéroise entre le Harraj et l'Afron. Donc c'est un mal nécessaire. Donc on va gérer la situation un petit peu dégradée, mais c'est un mal nécessaire pour espérer qu'en 2018 on aura une bonne ligne Alger-Oran. Ça va prendre toute l'année jusqu'à le mois de décembre. Nous avons notre filiale qui est en train de travailler en phasage. Non, Alger-Oran en combien de temps? À partir du moment où ce sera réalisé? On veut arriver déjà, si on arrive à 4 heures déjà, on est très compétitif pour le moment. 4 heures c'est très raisonnable. Avec quelle vitesse? La vitesse c'est 120 km/h. Donc une fois qu'on va supprimer les passages à niveau, la vitesse c'est une question de présence, d'existence de passages à niveau. On ne peut pas aller au-delà de 120 tant qu'il y a un passage à niveau sur la ligne. Donc pour pouvoir aller au-delà des 120, il faut zéro passage à niveau. Ça, c'est connu par les textes de loi.
Alors, comment expliquer que par le passé, il y avait une ligne Constantine allant jusqu'à la Tunisie et jusque-là, elle n'a pas été réactivée? Est-ce qu'on va la réactiver? Oui, nous sommes en train de travailler là-dessus avec les moyens de bord. Bien sûr, ce n'est pas une ligne très, très moderne, mais on peut se prononcer sur un train sur Tunis, pourquoi pas, ne serait-ce que les périodes estivales, pour permettre aux usagers. On a essayé de travailler cet axe l'année passée, mais on n'a pas réussi par rapport à des contraintes techniques. C'est des anciens ouvrages d'art qui ne nous permettent pas le passage du matériel que nous sommes en train d'acquérir. Donc on était obligé de redimensionner notre parc véhicule pour pouvoir traverser les tunnels qui sont très très anciens sur cette ligne pour pouvoir assurer aux voyageurs, aux usagers, inchallah, des trains sur Tunis. Alors, la ligne ferroviaire Alger-Dijel? La ligne ferroviaire, elle existe. Alger-Dijel, pour le moment, ce qui nous intéresse, c'est le fret. Donc, nous avons la zone de Blara, qui est très importante pour nous. Donc, il y a un grand chantier qui est ouvert. On a assigné pratiquement tout le parc véhicule qui existait là-bas, qui était de plus d'une vingtaine d'années, qui était présent au niveau du faisceau. La totalité des wagons ont été découpés, ont été vendus. Maintenant, on a libéré les espaces. Nous sommes en train de l'entretenir, éclairer les espaces Dès que Blara démarre, Inch'Allah, la SNCF sera présente. Est-ce que vous allez améliorer aussi et réhabiliter toutes les gares ferroviaires? On a commencé à... Celle d'Alger, c'était un chef-d'œuvre. Maintenant, c'est carrément dans un état de délabrement quand même. Oui, effectivement, mais nous avons... Dégradation assez avancée. Mais nous avons un très beau projet. Alors qu'ailleurs, les gares, c'est la fierté, c'est la vitrine des populations. Oui, effectivement, on a tenu compte de cet aspect. Maintenant, on est en train de se lancer vers des partenaires. On est en train de chercher des partenaires publics. Il faut faire vite. Oui. On a eu des accords de principe. Donc, il y a un projet d'architecture au niveau de la gare d'Aga. C'est une très belle gare qui est projetée. Inch'Allah, nous sommes en train de chercher des partenariats pour l'exploitation en concession avec des entreprises publiques et on pourra construire ensemble quelque chose qui pourra être transformé non seulement une gare, parce que les gares, c'est pas pour prendre un train maintenant. Une gare, c'est un espace commercial beaucoup plus. Et avec cette formule, nous sommes en train d'intéresser. C'est comme les aéroports. Oui, effectivement. Donc, nous sommes en train d'intéresser des entreprises publiques qui vont nous accompagner pour la concrétisation de ce projet. La gare Alger et toutes les gares également sont concernées par ces projets de partenariat public-public. Oui, effectivement. Public-privé plutôt. Non, pour le moment, on est fait le public. Les PPP. Oui, pour le moment, on n'est pas fait les 3P, mais nous sommes avec des entités publiques qui nous ont donné leur accord de nous accompagner parce que. On a montré une maquette de la gare d'Aga et la gare de l'Hamma qui est un endroit stratégique et on peut réaliser beaucoup de choses ensemble là-bas. Donc nous sommes en phase de lancer un concours de l'architecture et les financements, il y a la cour de principe et on va maturer un petit peu le projet. Combien va coûter ce projet de réhabilitation de toutes les gares à travers le territoire national? Est-ce que vous avez évalué le coût financier? Non, commençons déjà par la gare d'Aga qui est très importante à nos yeux parce que la gare d'Aga, il est temps de s'intéresser à la gare d'Aga, une gare au sens propre du mot qui va s'ajouter à la gare de Koulifa. Donc il y a une belle gare qui est en train de se réaliser par la Nusrif. Koulifa al-Harach. Koulifa al-Harach, c'est une très belle gare mondiale, mais quand même, Aga, il ne faut pas la laisser dans l'état actuel des choses. Toutes les gares. Commençons déjà par la gare d'Aga et ça sera la mayonnaise qui va prendre avec la gare d'Aga. Alors, les passages à niveau et les accidents récurrents au niveau des trains, comment l'expliquer aujourd'hui? Les passages à niveau, ça relève beaucoup plus de la vigilance, du respect du code de la route. Les usagers de la route, il faut qu'ils soient trop, trop vigilants. Nous, on essaie d'être... on est en train de gardiner, mais on ne peut pas gardiner tous les passages à niveau. C'est régi par la loi. On est en train de faire le maximum. Et j'aimerais bien exploiter des lignes avec zéro passage à niveau, mais ce n'est pas le cas. Mais on est en train c'est de... C'est un projet avec. Oui, c'est un projet. La Nusrif, ils sont en train, en plus de tous les efforts qu'ils sont en train de déployer au niveau de Birtuta Ziralda, dans un défi relevé, ils sont en train de faire un autre défi au niveau de Birtuta Ziralda. Ils ont un troisième défi ils sont en train de supprimer les passages à niveau et on compte beaucoup sur la concrétisation de ce projet. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que le train est le moyen de transport le plus sûr quand on voit aussi ces accidents qui se produisent sur la voie ferrée? Et on en a eu quand même quelques-uns qui ont aussi été à l'origine de morts d'hommes. Oui, effectivement, malheureusement de le dire, mais le parfait n'existe pas. Le 100%. C'est faute de signalisation? Non, pas de faute. Parfois des interprétations, parfois des erreurs humaines, parce qu'il y a une accumulation de fautes. Donc, mais c'est pas spécifique à la SNCF. Donc, vous êtes en train de travailler sur le système pour l'amélioration? Bien sûr, je touche du bois. Nous sommes en train de faire des efforts parce qu'on dépend de beaucoup de choses, beaucoup de paramètres, parce que la signalisation, c'est pas, il n'y a pas que la SNCF, il y a l'environnement également qu'il faut l'occulter de la discussion, du débat. La sécurité relève sur tout le monde, et y compris l'environnement.
Alors, monsieur Benjabala, moi, je voudrais revenir un peu avec vous sur, bien sûr, ces lignes et sa rentabilité et l'entrée en fonction de certaines d'entre elles. Est-ce qu'on est en train de faire des prévisions et des projections par rapport au développement économique du pays, puisque la volonté première, c'était réaliser le chemin de fer pour accompagner la dynamique économique? Bien sûr, au cœur du développement économique est le transport de fret. Et le transport de fret, comme je le disais tout à l'heure, de gangrène, ça n'intéresse personne. Il faut aller vers le transport de fret avec de nouvelles formules, c'est-à-dire s'inscrire dans une logique d'assurer une logistique, un service complet. C'est-à-dire minimiser les coûts de transport, ça ne peut passer que par un transport de manutention, de l'intermodalité, des zones, des hubs, des zones logistiques, donc, et rationaliser un petit peu les moyens sur un axe bien défini. Donc nous sommes en train d'aller dans ce sens, et les premiers résultats, on commence à les avoir, et on continue sur la même lancée. Donc on s'est fixé un objectif d'atteindre les 17% horizon 2023, et nous sommes sur la bonne pour le moment. Alors vous avez parlé d'actes de civisme, les actes de vandalisme et de dégradation de la voie que subit aujourd'hui le secteur du chemin de fer, est-ce qu'on a des estimations, par exemple? Effectivement, des pertes, elles sont importantes? Bon, bien sûr, les pertes sont importantes, et on vit quotidiennement ces aspects, malheureusement. Autant de sensibilisation, d'ailleurs, sur la ligne de Bichat de la caravane, une bonne partie a été réservée à cet aspect-là. On sensibilise un petit peu les enfants qui sortent de l'école, parce qu'on a remarqué d'ailleurs, durant les vacances, les jets de pierre augmentent. Ça sous-entend que les enfants, il faut les occuper par autre chose que de venir à proximité de la voie ferrée. Mais est-ce que vous avez des estimations par rapport à ces actes de dégradation? Les pertes. Les pertes sont immenses, c'est quotidiennement. Est-ce que vous pouvez nous donner un chiffre, monsieur Benjabala? Si je donne un chiffre maintenant, 15 minutes après... Pour que les gens comprennent quelle est son importance. L'important, si on casse une vitre, c'est une immobilisation de 3 jours pour la remplacer. Et la vitre, elle coûte à peu près 600 000 dinars. On l'achète 600 000 dinars, que soit, ça nous coûte autant d'argent. Donc 600 000 dinars... Le coût global de ces actes de vandalisme? Non, on ne peut pas l'apprécier parce que c'est variable. Je dis dans des périodes là où il y a des vacances, on casse beaucoup plus de vitres. En dehors, on est tranquille, ensuite alors, ça reprend. Une vitre, c'est une immobilisation de 3 jours du train. Du train, donc. Et des gens qui ne sont pas transportés, malheureusement. Bien sûr. Autre question, les Algériens payent-ils leur ticket de train? Nous sommes toujours à 30%, malheureusement, de le dire, mais je dirais que nous sommes en train d'œuvrer pour... De 30% de personnes 30%, qui payent, hein, oui. Non, 30% qui ne payent pas. Ah, d'accord. Quand même. Les 37 millions de voyageurs que j'ai cités tout à l'heure, c'est des gens qui sont corrects, ils paient le ticket, ils sont de l'ordre de 70%. Ça occasionne quel niveau de perte? Oui, pour la SNCF. Oui, de grandes pertes. Mais cette perte, elle est encouragée par les ouvertures au niveau des gares que nous sommes en train de combattre. Donc maintenant, la première promotion de contrôleurs, on les a lancés, ils sont en train d'acter. Tous les trains sont, il y a des contrôleurs, mais nous sommes victimes de notre réussite au niveau de la banlieue. Des trains sont bondés aujourd'hui. Semaine, on est passé d'un chemin de fer durant les vacances avec un service réduit. Nous sommes en train maintenant de passer à un chemin de fer durant les vacances et un service renforcé. Alors, qu'en est-il de la ligne ferroviaire Tnia El Borj? La ligne ferroviaire, nous sommes en train d'assurer les trains sur l'ancien tracé, mais une fois qu'elle sera dédoublée, donc on pourra augmenter notre cadence. Alors, aujourd'hui, ils vous disent, les auditeurs, qu'il est nécessaire d'aller vers les trains à grande vitesse parce que là, nous allons gagner en temps. Là, actuellement, avec Alger, on rend pratiquement 6 heures. C'est énorme en termes de perte de temps et de rentabilité aussi économique, aussi bien pour l'entreprise. Non, 6 heures, c'est exagéré. Donc 5 heures, oui, je le concède, avec une cinquantaine de minutes de retard en moyenne. Ben, ça peut arriver un incident, on peut aller jusqu'à 6 heures, mais la moyenne, elle est de 50 minutes. Donc tous les chantiers qu'on a ouverts sur cet axe, et j'ai dit qu'à partir de 2018, lorsqu'on va réceptionner les autorails, Inch'Allah, on va envoyer un train chaque 2 heures vers Oran avec un objectif d'atteindre au moins les 4 heures de trajet. 4 heures, nous sommes compétitifs et c'est très intéressant de voyager sur Alger-Oran en 4 heures. Alors vous avez fermé 2 passages à niveau Ablida, ce qui a créé d'immenses encombrements à la ville. Est-ce que cette fermeture est totale ou temporaire, monsieur Benjabala? Moi, je veux que ça soit pérenne. Donc, on va fermer tous les passages à niveau. Parce que le passage à niveau, il faut réaliser des souterrains ou bien des passages supérieurs. Et laisser le train rouler à des vitesses commerciales appréciables parce que derrière, il y a 37 millions de voyageurs qui roulent sur ces trains. Alors, aujourd'hui, avec le développement du chemin de fer, est-ce qu'on a encore d'autres perspectives?
Est-ce qu'il y a d'autres projets qui sont envisagés, qui sont en cours et qui seront prochainement réalisés? Parce que les gens disent que les retards enregistrés dans la réalisation de certains projets occasionnent beaucoup de désagréments, notamment en termes d'attente. Bon, pour le moment, donc je vous dis qu'il y a, il y a une grande avancée à ce niveau-là. Donc, Birtu Tazerda dans des délais records a été réalisé, Tizi Ouzou dans des délais records réalisé, Inch'Allah bientôt Ouattlilat Frontière du Maroc qui avance correctement. Il y a pas mal de lignes. Moulay Sili Sen Saïda, elle va être mise en exploitation. Donc, il y a une grande avancée à ce niveau-là. Donc, il faut être optimiste. Pourquoi vous avez suspendu la ligne Batna? C'est l'auditeur qui vous pose cette question. On va la reprendre une fois que les autorails viennent. Parce que les passages à niveau que je viens de citer, malheureusement, ils sont en train de nous bousiller les autorails. C'est beau d'exploiter une ligne, mais avec zéro passage à niveau, on va préserver le matériel et on va préserver également toutes les lignes. Quand est-ce que vous allez la reprendre? Une fois que les autorails rentrent, à partir de 2018, Inch'Allah, on va couvrir toutes les lignes qu'on a perdues par rapport au manque de moyens. Monsieur Yassine Benjaballah, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne journée.